Re, mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais dit que j'étais pas supposé de faire une ellipse, mais une ellipse. De toute façon, je vais poster cette vidéo-là en même temps que l'autre. Parce que l'autre vidéo, c'était la fin d'Angua. Et là, ça va être le début de Bloodborne. Je vais utiliser encore ce personnage-là. Parce que est-ce que maintenant j'ai fait une vidéo tantôt avec mon. Notre personnage principal, et est-ce que Bonner ça a pas voulu? Fait que ce coup-là, on fait la quête Enfant de Dragon qui est Bloodborne. Comme dans Dark World, il y avait des vampires qui attaquaient ici au début, mais là c'est encore de Bloodborne, des mages vraiment bizarres, farfelun, je sais pas pourquoi. À force ils étaient deux, fait que je les ai tués, ils ont une lettre. Fait que je vais voir la lettre. Je l'ai jamais lue. J'ai jamais osé me spoiler moi-même en avance. Note de vampire. C'est pas ça. Ça, non. Ordre des adeptes. Ouais, c'est ça. Prenez la Vierge du Nord à Marie à Corboran pour rejoindre le Vardamonde, puisque commencez vos recherches et tuez Randy, l'imposteur. Qu'est-ce qui fait passer pour l'enfant de dragon avant qu'il n'atteigne Sunstein? Revenez annoncer votre réussite et Marie-Arc sera enchantée. Marie-Arc. Ça va être un fils de pute. Il faut aller Vendôme pour aller à Schoenstein. Je sais pas c'est quoi. J'en ai entendu parler un petit peu qui disait que c'était la map de Morhen. Morhen, le troisième jeu. Le premier est Arena, le deuxième. Dag, je me rappelle plus d'Arc, Dagland, quelque chose de même. Le troisième Morrowind, le quatrième Oblivion et le cinquième qui est Skyrim. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aura. J'ai aucune idée. C'est sûr que je voulais m'informer un petit peu pour savoir est-ce que le DLC vaut la peine et est-ce que Bana il vaut la peine. Pour rejoindre les sombrages, le palais se trouve En à tout cas, moi j'ai l'intérieur. aimé le DLC de construire des maisons, ça c'est sûr. Construire le DLC des vampires, j'ai aimé ça aussi. Impulsion. Merci. Prendre Sharingan. En cas où. Je dois vous demander d'arrêter. Vos cris rendent les gens nerveux. Bien, heureuse que ce soit réglé. Ok. Hein. Ou qui voulait juste passer. Ça fait trop du bruit. Ouais, penses-tu que le vent. Il entend encore en arrière? Pas sûr. En La tout cas. Vierge du Nord est parée au départ. Vierge du Nord. Si vous voulez vous rendre à Solstheim, pas de chance. Je ne souhaite pas y retourner. Connard. Vous êtes le capitaine de Virginia? Ouais, c'est bien moi. Pourquoi? Qui vous envoie? Des adeptes venus du bord avec un navire essayé de me tuer. Une petite minute. Je n'y suis pour rien. Je ne pouvais pas savoir qu'ils étaient dangereux. Je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Tu ignores vraiment comment tu atterris ici? Tu as pris un bateau, non? C'est difficile à expliquer. Je me souviens avoir vu ces hommes masqués monter à bord. Ensuite, plus rien. J'étais là et ils avaient disparu. Ce n'est pas normal, un trou noir de plusieurs jours comme ça. Je ne suis pas du genre peureux, mais ça, c'est beaucoup de trop. Pas de question que je retourne à Solstheim après ça. Ok. Je sais pas, mais en arrière, eux, ils sont en train de taper, là. Ils sont tannants. Un peu de cran, vous voulez amener Einstein et les coups de marteau. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça bizarre. Il s'en rappelle plus. Moi, je vous dis, ça sent le contrôle mental. Vous écoutez quand on vous parle. Je ne retournerai pas là-bas. Ah oui?
Vous avez des dettes envers moi. C'est la dette qui a essayé de me tuer. Écoutez, je suis désolé pour vos ennuis. Mais je dois d'abord penser à moi. Je refuse de prendre le risque. On essaie de me tuer et vous pouvez pas refuser. Intimidation. Oh là, doucement. Je ne suis qu'un pauvre marin, moi. Je ne voulais pas être mêlé à tout ça. Bon, je veux bien vous emmener là-bas. T'auras pas le choix. Connard. Arrêtez. Putain. Eux qui sont en train de cogner avec leur marteau, je sais même pas pourquoi. Fontana. On rappelle le bateau en frappant avec le marteau. Ben ouais, parce que c'est une logique, toi. Non? Gros con. En plus, je peux être 9-19, je vais le faire. Oh, damn, mamie. Nous y sommes. Voici Corberock. Je dois avouer que je ne suis pas follement ravi de revoir ce bourg. Bonne chance. Peut-être que vous parviendrez à découvrir ce qui se trame ici. Moi, je trouve ça beau. Moi, je vous dis, c'est bon. Respect, respect. Étranger. J'ai eu ça comme succès. Merci. C'est tout? Eh ben voilà. Votre visage ne me dit rien. Je suppose que c'est la première fois que vous mettez les pieds à Corberock. Quelles sont vos intentions? Je cherche Mirac. Vous le connaissez? Mirac? Je n'en suis pas sûr. Souvenez-vous, le territoire de Corberock est sous l'autorité de la maison Redoran. Nous sommes en Morrowind, pas en Port-au-Ciel. Durant votre séjour ici, vous devrez respecter nos lois. Ouais. Des questions? Vous savez qui est Mirac? Je ne suis pas sûr. Je connais ce nom. Oh putain. Pas moyen d'y associer. Ok, ça va. Je ne pense pas. Ce nom, je crois qu'il est lié à la pierre de la terre. Mais je ne saurais pas vous dire comment. Ouais. Ok. N'oubliez pas, on vous a amené. Non, c'est ça. La présence ici sera tolérée tant que vous respectez nos lois. Oui. S'il y a un problème, vous devez en répondre devant la garde. À l'origine, c'était une colonie impériale. Mais l'Empire a décidé de l'abandonner au moment même où notre peuple est arrivé du continent. Les impériaux nous ont laissé la ville en piteux. Oh, les connards. Mais la maison Redoran a rapidement repris les choses en main. La vie a beau être très difficile ici, nous sommes fiers d'avoir fait de cette île notre vie. Ouais, c'est bon. J'ai compris. D'ailleurs, moi, je suis tanné, là, à parler de l'histoire du jeu quand je suis pas capable d'entendre à cause des coups de marteau qui sont en train de donner, les salopes. Je vais aller fouiller l'hôtel, mais avant, je prends mon temps. Parce que le DLC est riche. Parce que c'est un nouveau monde, comme vous le pouvez le constater. Et c'est super le fun. L'île n'est pas entièrement recouverte de cendres, vous savez. Il paraît que les étendues du nord sont sous la neige et qu'il fait un froid de canard. Ok, c'est de la cendre. Eh ben, sont quand même assez beaux les maisons. Je sais pas comment ils les font, mais ça du tout. Vous n'avez pas vu Crassus Cerelius par hasard? Ce vieux fou m'a encore pris ma pioche. Moi, je sais c'est quoi ce logo là. Pourquoi vous faisiez autant d'histoires avec une scène de pioche? C'est pas n'importe quelle pioche. On parle d'une pioche nordique antique. C'est pas monnaie courante, vous savez. Vous ne pouvez pas demander aux gardes d'en trouver une. Je préfère régler ce genre d'affaires moi-même. Écoutez, si vous voyez Crassus, dites-lui de me rendre la pioche et je vous dédommagerai pour la peine. Ok. Connaissez-vous un certain Mirac? Non, je... Attendez.
peut-être. J'ai l'impression de connaître ce nom. Je n'en suis pas sûr. Je ne veux plus en parler. Ok. Comment vous êtes retrouvé à Corbara? Excellente question. D'ailleurs, c'est celle que j'entends le plus souvent dans la bouche des visiteurs. J'aimerais avoir une histoire plus romanesque à raconter. Mais je cherchais simplement à faire fortune. Et j'ai décidé d'exercer mon commerce à Corborock. En plus, ça ne servait pas à grand-chose de savoir réparer les armures d'Ostalium à Fayez. Qui vous avait pris ça? J'avais un ami là-bas. Un elfe noir du nom de Vanrit. Un forgeron très talentueux. J'ai passé beaucoup de temps à échanger des techniques de forgeage avec lui. J'ai appris énormément de choses, comme réparer l'Ostalium. Quand il a décidé de partir chercher fortune ailleurs, j'ai fait mes bagages, et je suis venu ici pour mettre mes compétences à l'épreuve. Je n'ai pas bougé depuis. Ok. Je sais pas, mais c'est le groupe Bardzilla, ça me fait... Je me rappelle plus c'est quoi par contre. Votre présence ici sera tolérée tant que vous respectez. Oh, tailleux. S'il y a un problème, vous devez en répondre devant la garde des Rédons. Ah, c'est toutes des elfes noirs. Misérable. Vraiment misérable. Je déteste cet endroit. Moi non. J'ai juré de protéger le raison à ton mari. À l'impossible, nul n'est tenu, Mogul. Nous avons déjà du mal à joindre les deux bouts. Pas mon problème. Quand j'ai prêté cet argent à Karine, j'ai été très clair. Je lui ai bien précisé que je voulais être remboursé avant la première récolte. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a des belles conversations des fois. Hein. Moi je trouve ça beau. Oh! C'est le volcan ça? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cendres par terre? Je pense que oui. Bonjour. Vous là, vous ne semblez pas être dans le même état que les autres. Très intéressant. Puis-je vous demander ce que vous faites ici, Je cherche un certain miracle. Miracle. Ce nom me dit quelque chose, mais impossible. Ils ont... Oh, attendez, ça me revient. Mais c'est assez incompréhensible. Miracle est mort il y a plusieurs milliers d'années. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'en suis pas sûr, mais c'est fascinant, vous ne trouvez pas? C'est peut-être lié à ce qui se passe ici. Je ne m'attendais pas à cela. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous répondre. En revanche, les ruines d'un ancien temple de Mirak se trouvent vers le centre de l'île. Ok. Si j'étais vous, j'irais voir là-bas. Ok. Que font ces gens? Ils construisent quelque chose, visiblement. Et pourtant, ils ne sont guère éloquents sur le sujet. Je suis curieux de voir ce qui se passera quand ils auront terminé. Ok. Nous en avons terminé? C'est bien mon avis. Bonjour. Ils se rapprochent pas à pas. Ok. Nos yeux étaient aveugles. Maintenant, nous voyons à travers lui. Nos mains étaient oisives. Ok, je sais qu'est-ce qui se passe. Moi je vous le dis, c'est du contrôle mental, mais de grande puissance. Ils sont contrôlés, puis ils travaillent tous. C'est des esclaves. Moi je vous le dis, c'est du contrôle mental, mais 100%. Ça se voit carrément. Est-ce une mine? Oui, la mine de Corbara. Mais non, merci. C'est beau. Moi, je trouve ça beau, les pierres comme ça. Ou si c'est vraiment eux qui ont construit ça comme ça, je sais pas. C'est beau. La cendre partout. Nani. J'attends de mourir avec vous. Une bonne mort. Pourquoi voulez-vous m'arrêter? Mon heure est venue. Je suis vieux. Trop vieux pour devenir chef. Ça ne serait pas bien que je prenne des épouses à mon âge.
Alors il me faut mourir. Malakat m'a envoyé une vision dans laquelle je mourrai glorieusement. J'attends ici qu'elle vienne à moi. Comme vous pouvez le constater, ça n'est pas encore arrivé. Ok. Je pourrais peut-être vous donner la mort que vous cherchez. Non. Vous n'avez pas l'air si vieux que ça. J'imagine que vous êtes encore de toute de force pour vous. Je suis encore en âge de mourir au combat, comme tout homme qui se respecte. Les orques ne sont pas comme ces nordiques ou ces impériaux qui continuent jusqu'à ce qu'ils soient grisonnants et faibles et que leurs cheveux tombent. S'accrocher à quelque chose qui a fait son temps est inconvenant. Et plus encore quand il s'agit de sa propre existence. Mais ça n'a pas une bonne idée. Apparemment, il est possible de vous faire changer d'avis. Vous devriez partir. Je ne voudrais pas laisser passer une belle mort à cause de vous. Non. Si vous n'êtes pas là pour m'accorder une mort décente, alors allez-vous-en. Oui. Si je m'allongeais pour mourir, Malakat ne serait pas satisfait. Je pourrais peut-être vous donner la mort que vous cherchez. Peut-être. Vous croyez? J'en doute pas, je vais vous donner une belle mort. À la réflexion, peut-être pas. Vous devriez partir. Je ne voudrais pas laisser passer une belle mort à cause de vous. Ok, ok. Tant de bord de ciel dont tout le monde parle. Moi je le tue pas, hein. C'est du grand respect. Je comprends pas pourquoi il se suicide, si on pourrait dire ça. Oui, il est vieux, mais il est pas si vieux que ça quand même. Il a l'âge d'avoir 40 à peu près. Qu'est-ce que je te dis? C'est leur origine, hein. Je peux rien y faire. Je voulais l'aider, puis non. Il veut rien savoir. Bon ben, ok. Le prédateur cherche miracle. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je vois? Des os de dragon? Holy fucking shit! Je sais pas pour vous, mais ça sent le power. Le grand power. Comme si c'était des restants de dinosaures. Holy shit. Damn. Est-ce que maintenant ça construit encore? J'ai vu quelqu'un avec une épée. Bah. Oh, ils sont en train d'attaquer qui? Oh, qu'est-ce qui se passe? What? Ah, des nains. Oh ben ils vont mourir. Hadouken. Chimichimi. Tamakamataka. Tukokazu. Connard. Et quand le monde se souviendra. Ah. Je pensais que c'était des guerriers, mais en fait, des esclaves. Ce monde, ça se rendrait. Pas sûr. Hein. Bonjour. Nous travaillons. Vous là, qu'est-ce qui vous amène ici? Qui êtes-vous? Je suis Freya, d'Escale. Je suis là pour sauver mon peuple ou le venger. Ok, sauver de quoi? Je ne suis pas sûre. Une force mystérieuse a pris le contrôle de la plupart des habitants de Solstheim. Contrôle-moi. Elle s'empare de leur esprit et les force à travailler sur ces horribles constructions qui dénaturent les pierres, la terre elle-même. Mon père, Storn, notre chaman, dit que Mirak est de retour, mais c'est impossible. C'est Mirak qui essaie de me tuer. Dans ce cas, ça nous fait une raison de plus de découvrir ce qui se cache sous nos pieds. Ouais. En route, je ne peux rien faire de plus ici. En route vers où? La pierre de l'arbre, mes amis, pour l'instant. Nous devons trouver un moyen d'entrer dans ce temple souterrain. Mais je sais pas. J'ai aucune idée. Mais d'où est-ce que vous sortez? Encore une fois. What? Il se rapproche.
Ah, j'avais pas vu. Attendez, j'arrive. Ah, salut le mage. Merci pour ta protection, créateur. Créateur, oh, non, je suis pas créateur. Et voilà, c'est ça les masques spéciaux que je vous parlais. Ils sont bizarres, hein? Je garde pas de copie, hein? Juste la robe. Et le masque. Je pourrais garder les gants, tout ça, mais pff, les gants puis les bottes. On s'en fout. On s'en fout. Oui, c'est fun d'avoir la collection complète de toutes les armures du jeu, mais. Pas de. Ça vaut pas la peine. C'est juste des gants normaux. Avez-vous décidé de m'aider? Il n'y a pas de temps à perdre. Fouillons ces pièces. Oh, l'escalade. Mais je m'en fous, hein. Je sais bien que je peux t'aider, mais hein, je prends mon temps. Je suis là pour faire la fête. Le gars qui s'en bat les couilles. On bat les couilles, moi. Ah, Serena. Je sais que t'as pas rapport ici, Serena, mais... on y va quand même. Un coffre. Avec des potions de vie, ça fait du bien. Ça fait du bien. En plus, j'ai l'arc dans rien. Die, motherfucker! Die! Attention! Il y avait un squelette. Prendre du soin. Ok. Elle me dit du texte, mais j'ai pas tout écouté. Je sais que c'est un fils de pute. Ok. J'ai esquivé quand même assez proche. On va la jouer en mode arc dans réel. Je n'ose pas le mot. Et ce qui s'est passé dans cette pièce. Qui étaient ces pauvres diables enfermés dans ces cages? Quelle torture miracle leur a-t-il infligé? Agissait-il au service des dragons ou pour son propre? Oh, ok. Je viens de lâcher mon l'épée la plus chutée. Bah l'épée. C'est un arc. J'espère que je vais le retrouver, hein. Holy shit, les PV. Ils vont mal. Dégage, connard. Holy fucking shit, bro. Ta gueule! Hadouken! Le pouvoir du Hadouken! Résistance au feu. Ça va aider. Et là, j'ai perdu mon arc. Ah, ouais. Est-ce que vous avez trouvé mon arc? Est-ce que je l'ai perdu? Oui. Je commence à comprendre pourquoi on m'a toujours conseillé d'éviter les ruines de ce genre. Ça m'étonne pas. Si après c'est pour perdre ton arc le plus cheaté de la game. Ça fait chier, j'ai perdu mon arc. Moi je vous dis, ça me fait chier. Est-ce que quand il a fait Frostrodin, ça l'a renvoyé ici? J'ai perdu mon arc.
Bon ben hein. Avant. Enfin, téléporte. Ça me tente vraiment pas de perdre l'arc. Je vais level up. Non, pas de suite. Pas de tout de suite. Ah, je peux plus. Santé. Santé. Ok, j'ai évolué de 2 fois. Holy shit. On va mettre ça dans les armes à une main. Ok, je peux plus évoluer. Grand coup de charge. Espadon. Non, non, non. Ça. Oui. Non. Allez. Bah, nani. Avez-vous décidé de m'aider? Il n'y a pas de temps à perdre. Fouillons ces pièces avant d'aller plus loin. Nous y trouverons peut-être du matériel. C'est ça que tu m'as dit tantôt, hein. Puis c'est comme ça que j'ai perdu mon arc. Ah, puis je pourrais savoir qu'est-ce qu'elle dit avec son texte. Vous allez mourir. Non. Qui va là? J'avais bien entendu quelque chose. Mais d'où est-ce que vous sortez? Ok, un squelette avec les autres. Spooky skeleton. Est-ce que j'ai l'armure de... Oui, ok. On se casse. Il faut rester prudent dans ces ruines. Elles sont sûrement parsemées de pièges. Mirak essayait d'augmenter son pouvoir ici, et en même temps d'assurer sa protection. Je commence à comprendre pourquoi on m'a toujours conseillé d'éviter les ruines de ce genre. Oui, tu l'as dit 2 fois. Esquive. Tout le monde va le bouffer, mais sans moi. Je n'ose pas imaginer ce qui s'est passé dans cette pièce. Qui étaient ces pauvres diables enfermés dans ces cages? Quelle torture miracle aura-t-il infligé? Agissait-il au service des dragons ou pour son propre intérêt? Regardez là-haut. Je crois que je vois quelque chose. Mmh. Je sais pas si vous les avez entendu, la fille, qu'est-ce qu'elle a dit, moi, oui. Je sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Charging gun! Non, non, je sais pas cheater. J'essaie de me défendre. Pour perdre encore une fois l'arc. Et voilà. Faut pas déconner, mais perdre un arc, c'est pas cool. Freya. Madame Freya. Oh, c'était pas la voix de Hanzo, ça? Trouvez-les! Il y en a qui est en train de... Ah non, elle est en train. Je pensais que c'était elle qui faisait le café, mais en fait c'est l'autre. Merci pour tout pour le créateur. Ok. Je sais pas si c'est moi qui ai mal entendu, mais... C'est bizarre. Voilà. Ninja. Bonjour. Au revoir. Merci Serena. Oh! Freya qui est en mode. Je peux-tu te faire un bijou? Non. Allez les drôles. Ouais.
Ah, deux sets de feu. Mais d'où est-ce que vous sortez? Bah, ils sortent, ils sont morts, hein, madame. Madame Freya. Je sais pas, mais ça sent la followeuse. Ça va être elle pour... Ça fait nordique. Wow, shit, elle te fait des glissades de la mort. Qui tue? Bonjour. Au revoir. Hadouken, Hadouken. Allez. Tredingen. Ninja. On va essayer un petit peu. Nani. Je comprends pas. C'est à cause de... Ça doit être sûrement à cause des... les techniques. Non. Oh putain, je viens de gaspiller. Ah oh, ben j'ai acclenché un piège là. Pas ça que je voulais faire. Je voulais me heal. Soin. Non. Voilà. Qui va là? Bonjour. Oh. Mhm. Oh. Man, j'avais plus d'endurance. J'avais pu tellement mourir. Rax a donné beaucoup de mal pour dissuader les visiteurs importants, semble-t-il. Espérons qu'il n'y ait plus d'autres pièges. Mirax s'est donné beaucoup de mal pour ça. Mm-hmm, penses-tu? J'ai trouvé un passage secret sans savoir. Des batteries. Toujours bon des batteries. Quand on n'a plus de batteries, c'est la mort. Ben mes épées sont plus chutées après. Ok. Je comprends pas. Ça a tombé, mais il y avait rien dedans. Je ne dois pas faillir à mon devoir envers mon peuple. Oui, je sais. Arrête de te prendre pour... Oh, toi. Ça sent le bon headshot. Ah, oh, j'avais les flèches d'arrière pour battre le vampire. Je me rappelle plus, mais le boss, ok. Headshot. Souvenez-vous. Oh, tu me fais reprocher pour longtemps. Donc, non, ils ont rien d'intéressant. C'est juste des mages. Hello! Bon débarras. Et où tu n'es? Ouch! J'ai un petit peu mal. L'épisode pourra s'arrêter là, mais on continue un petit peu.
semble avoir mené une existence bien cruelle. Ça se peut. Je me demande si nous réussirons à élucider ce mystère ancestral. Bah oui, bah oui. Pourra jamais mourir. Salut les squelettes, excusez-moi, désolé. Oh, Annie. Qui va là? Voilà, c'est fait. Il y avait des pièges, ok. Intéressant. Ça vaut peut-être le coup d'explorer un peu. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais qu'il y aurait quelque chose ici. Vous connaissez déjà ces sorts? Non. Livre, capsule d'âme, non. Oh, allez, juste prouver. Parce que ce personnage-là, je les avais pas. Un livre de sang. Oh, bah lui, je l'avais déjà lu. Des batteries. Des papiers, des livres. Chez le boisier. Oui. Oups. Ok. À fouiller s'il y avait déjà des livres. Mais moi je les ai déjà lus. Je suis intelligent. C'était pas mon intention. Je savais pas qu'il y avait un là. Ouh, l'assassin l'arc. Si je les marque, c'est une autre histoire. Putain. Ah bon, ben fuck off. Hein. On n'est pas capable. YOLO! Vous avez pas besoin de mon arc? Excusez-moi. C'est ça. La suite, ça doit être sûrement là. Mais avant, je veux faire un coucou à lui. Et voilà. C'était mon intention. Ce coup-là. Je suis sûr qu'ils ont des choses importantes que j'ai oublié de looter pour voir. Non. Un livre des bandits en anglais. Ce temple n'en finit pas. Je sais bien que Mirak est très puissant, mais tout de même, comment a-t-il pu ériger un bâtiment aussi vaste? Ça ne doit plus être bien loin maintenant. Je le sens dans mes os. Restez sur vos gardes. C'est quoi ce mot-là? Nul. Ok. Bonjour. Oups. Ah, le salaud. Non. Supposément, j'ai récupéré mes deux épées. Oui. Fils de pute. Tu vas mourir. Boum. Enlever mes épées, là. Ça se fait jamais. La clé du temple de miracle. C'est quoi ce bouclier-là? C'est un mod? C'est beau? Nordic Dreamer. Puis l'épée aussi était stylée.
qui est en mode. Blizzard. C'est une porte? Attendez. C'est normal? Oui. C'est runner, oui, tu peux-tu te tasser? Viens ici. Ah, merci. Oh. Pauvre drogue. Il est en mode. Viens, je vais les attendre, je vais les tuer. Il est mort. Et vu, c'est un handicap. Hello? Aucun respect, aucun respect. Ok. Hein? Oh. Une impasse? Impossible. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Fouillez les parages. Je vous préviendrai si je trouve quelque chose dans la salle à manger. Ok. Plus à crève. Elle se fait attaquer par tout le monde. Elle se fait tuer. Ça a l'air drôle, hein. Ben. D'un côté, pas moi. Je le savais. Un passage secret s'est ouvert sur la salle à manger. Ça doit être ici. Ne traînons pas. Oui, mais hein, c'est moi qui l'ai allumé, hein, le passage secret. Je le savais, ben ouais, mais je l'avais déjà vu. Je me demande s'il y a quelque chose ici qui pourrait nous raconter l'histoire de Mirac. Moi je vous dis, ça doit être ça. Des livres abîmés, rien de plus. Ta-na-na. L'homme invisible. Nous en avons vu quelques-unes tout à l'heure, mais plus nous avançons, plus elles sont nombreuses. Je n'aime guère cet endroit. On dirait presque que ces statues pourraient prendre vie d'une seconde à l'autre. What the fuck? C'est quoi ça? Apparemment, c'est le seul chemin que nous pouvons emprunter. Je vous laisse l'honneur de tirer sur cette poignée. Je préfère ne pas mettre la main dans la bouche de cette statue. Ok, merci. Princesse. Ah, ok. Je pensais qu'il y avait une suite. Un vase. Avec de la monnaie. Des batteries. Oui, mes épées, est-ce qu'ils ont besoin? Non. Non. Ninja. Non? Holy shit. Qu'il ne va pas durer bien longtemps. Restez sur vos gardes. Oui. J'avais oublié, j'ai un cri de guerre qui est mille. Non, c'est force. Aspect draconique. Une fois par jour, prenez l'apparence d'un dragon. On épaisse des cailles doutées de cris puissants. What the fuck? Ça c'est Dovani, attends ma voix, je viens pour... Oh, ok. Ça doit être le cri du gars. Bah du gars, du dragon spécial. On va essayer, ça peut être drôle. Ah, ça fait des points. Oh, c'est stylé. Mais est-ce que je suis fort? C'est ça la question. Il faut les jouer fermés là. Les cris des dragons. Les cris sont plus puissants en attaque. Ah, ok. Hello? Ouh, ça sent l'ascenseur.
L'ascenseur en pierre. Hello. Le bâtiment, il est stylé. Hein. Moi, je vous dis, ça sent l'arc. Une bonne flèche dans le dos. Le plaisir. Touché. Il est mort. Oh! Oh! Oh my god! Oh! Qui va là? C'était le seul des Oh putain, je les ai wreck un coup de flèche. Tantôt j'étais pas bon à l'arc, puis là je suis bon. MLG. Oui, c'était facile à les atteindre, j'avoue. Mais il faut le faire. Hein. Bonjour. Non. Sharingan. Get the fuck out. Predator versus Wing. Avant ça, j'aimais ces épées-là, puis non. Aujourd'hui, non. Les épées en ébonite. Oh. Ouais. Jesus. My Jesus. Non, je les attends pas. Fuck off. Oh. Ça brûle, hein? Je sens de sombres pouvoirs magiques ici. Préparez-vous. Ce livre, il n'a pas l'air normal. Il semble être ici. C'est peut-être ce que nous cherchons. Bon, je vous dis, ça sent vraiment bizarre. C'est sur ça qu'on va s'arrêter l'épisode. Oui, le suspense est là. On va arrêter pour le premier épisode de Blue Dragon. Fait que, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et merci de être patient parce que oui, j'ai pas posté la vidéo. L'autre semaine passée, mais ce coup-là, je me reprends, je vais mettre deux vidéos aujourd'hui. Allez, salut mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.